Salut à tous les amis, je vous reprends tout de suite parce qu'on a une petite surprise ici, regardez-moi ça. Hein. On a un petit dragon ici. Je voulais juste aller à Rivebois pour me vider un peu les poches avant de m'occuper. Et regardez ce que j'ai trouvé. Viens ici. On est qu'à deux. Ça va être vraiment épique. Apparemment, la cavalerie arrive. Ouais. Écroule-toi, sale tête dragon. C'est dingue, je m'attendais vraiment pas à ça, les amis, hein, je vous assure. Aïe, 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 aïe. Vous avez payé. Mais oui, qu'est-ce que tu fais? Vas-y, décolle. Oui. Va t'écrouler, ouais. Aïe 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 aïe. Ouh, vite. Et hop, c'est là qu'on utilise son petit niveau santé. Et voilà. Magnifique. Deux ajoutés. Et on a en destruction 29. Donc c'est pas encore ce que je veux. C'est pas encore ce que je veux, les amis. Désolé de vous prendre d'un coup, mais il fallait absolument, je pouvais pas faire sans. Où est-ce qu'il est lui? Sans vous montrer ça. C'était pas possible. Critique. Alors, dans nourriture, on a quelque chose déjà de bien à prendre d'ailleurs. On va justement faire pour faire partir tout ça. Hein. Et notre petite soupe de légumes ici. Voilà. C'est parfait. Alors tant qu'il est pas à terre, je m'en fous, je m'amuse, je continue à le dégommer à l'arc. C'est tout ce qu'il mérite, cette crapule. Mais si, je mesure un dragon, arrête de faire la fiotte, toi. Alors, je passe en vue FPS, les amis. Hein. Je sais pas comment j'ai fait déjà pour passer en vue comme ça. Voilà. C'est beaucoup plus facile pour moi. Ce que t'es, toi, hein. Il y en a deux, je crois. J'ai vraiment l'impression qu'il y en a deux. Et Malidia, où est-ce qu'elle est? Je dis pas qu'elle est tombée. J'espère que Malidia s'est réchappée. Est-ce qu'il est dragon? Parfait, c'est parti, les amis. Allez, on y va.
te jure que tu vas crever. Alors, potion. Ma potion de force et potion de guerrier, et on y va. Crève. Et voilà les amis, donne-moi tout ton pouvoir, dragon. Magnifique. Allez. Comme contrairement, ne vous inquiétez pas. Hein. Ça reste. Hein. Là, qu'on peur qu'il se dépêche de prendre tous les loots, mais tout reste, ne vous inquiétez pas. Ouais, ben Malidia, ça va? Je disais, j'allais à Rivebois, quoi, hein, tranquille, hein. Et ben, punaise, ils se sont pris plein la tête. Hein. J'allais à Rivebois tranquille, j'allais simplement. Hop. Sur 325, j'ai bientôt. J'allais simplement. Vider mes poches, quoi. Hein. Et reprendre où ce qu'on en était, hein, comme je fais d'habitude. Hein. Et dès que j'ai vu ça, je dis non, je peux pas. Je vais pas les... Ah. Épée impériale, ah, pourquoi pas. Le poids est méchant quand même. Écoutez, on aura. Allez, on aura des autres plus belles que ça. Hein. On va quand même fouiller tout ce truc là. Hein, quand on aurait des trucs, hein, des gardes à terre. En tout cas, il a fait un beau carnage. Hein. Ben, il a fait un beau carnage. Ça va le chien? Il a fait un beau petit carnage. Il n'y a pas d'autre garde. Alors voilà. Alors avant tout, bonjour les amis. Hein. Bonjour à tous. Hein. C'était une nouvelle session qu'on prenait simplement tranquille à notre aise. Hein. Je fais une toute petite pause, hein, les amis. Hein. Le temps de rentrer, de vider tout ça. Donc comme je devais faire. Et je vous reprends tout de suite. Il n'y a pas de souci. Hein. Allez, à tout de suite les amis. À tout de suite. Et re les amis. Alors on va couper un petit peu de bois. Hein. Pourquoi? Mais parce que tout simplement, j'en ai besoin. Pour faire ma tente. Hein. Relativement agréable. Casse-toi. Pour un village nordique. Regarde-moi ces paysages, c'est dingue. J'en ai besoin absolument. Pour faire une tente. Hein. Car si on s'en va avec l'hypothermie. Ouais, je pense qu'on va tomber de l'évap, hein. Je sais pas, je ne connais pas ce mode justement. Et j'ai pas regardé des vidéos ni quoi que ce soit parce que sinon on prend au courant et ça casse un peu le délire quoi. Enfin, vous me comprenez. On va se refaire un peu de bois pour être sûr. Je suis vraiment content du mode graphique, c'est un truc de malade, hein. C'est dingue. Je suis vraiment content. Regardez-moi ça, ces images, c'est... Les modes que j'ai mis et que j'ai passé un petit temps à mettre, il y a bien configuré, parce que forcément, quand on a un mode, puis un deuxième, puis un troisième, c'est parfait, le quatrième ça marche, et puis le cinquième, on se rend compte qu'il n'est pas compatible avec les autres, et c'est...
la merde, hein. Alors, on va regarder ici s'il n'y a pas un petit truc à prendre, hein, sympathique, hein. Hop, comme ça, champignon, tant qu'on est là, on passe et on prend, hop, on va se faire un peu de potion, voilà, rien d'autre, on fait le tour, et on y va les amis. Parce que je suis vraiment content, regardez-moi ça le dragon. C'est dingue, il y en a un là-bas et un à la sortie si vous regardez bien. Voyez, on va là-bas. Alors, on y va. Là, normalement, j'ai assez pour faire la tente. Parce qu'une tente impériale se vend 600 et quelques. Je vais vous montrer. Bon, on peut même faire la tente impériale. C'est une tente normale. Et une tente impériale. Mais laquelle faire, je sais pas, les amis. Ça demande... 8 de bois... 8 de bois, 15 de cuir, 8 de bandes de cuir... Et un stack. Et là, écoutez, on va faire un tour d'impérial, on va pas s'emmerder. Hop, et voilà. En tout cas, on a fait ce qu'il fallait. On a déjà fait la tente, les amis. Hein, c'est très bien. J'espère qu'il fallait pas faire une tente normale avant. On va regarder simplement dans les quêtes. Hein. Voilà, on va la passer. À quelqu'un dans la région de Rivebois. Je dois jouer mal mené. D'accord. J'espère vraiment qu'il est encore là. Je pense pas qu'il aurait validé la quête hein, si s'il n'était plus là. Logiquement, il doit être encore là. Oh, que s'est-il passé ? Mon chien. Ah. Ben, il y a eu un problème avec Sven. L'argent, dague de fer. Et je fais comment maintenant? Ouais, je crois qu'elle est foutue là. Je crois qu'elle est vraiment foutue, les amis. Hein. Si seulement j'arrive à le malmener comme ça, mais faut pas rêver. Hey Sven, tu te souviens de moi? Hein? Je te malmène, voilà. C'est con qu'ils mettent pas là, là. Je vais réessayer une dernière fois, les amis. Hein. C'est con qu'ils ne mettent pas la quête impossible, quoi. C'est dommage. Bon, mais tant pis. Tant pis. Cette quête-là, on pourra pas la faire, les amis. J'espère que ça va pas m'empêcher d'aller dans les compagnons. Hein. Ce serait vraiment dommage. Hein. Ce serait vraiment dommage. Petit carnage du dragon. Hein. Il y avait un bug tantôt assez marrant, j'essaie de vous... Un jour, je forgerai ma propre épée. Oui, bien sûr. Vous le faire voir, ça m'a bien fait marrer. Non. En fait, le dragon était dans la terre, il ressortait comme ça en tout. Vous êtes pas d'ici, vous ? Comme un bug, pas de chance. Bon, allez. Les amis, ce qu'on va faire maintenant, hein, on va continuer. Ouh, aïe, 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 qu'est-ce qui s'est passé là? Et c'est un carnage qu'il y a eu ici. Hey, pour moi, ils se sont fait dépouiller pour les dragons, c'est quand même dommage ça. Ah, ça fait chier ça, vraiment. Rivebois est relativement agréable.
pour un village nordique. Est-ce que je peux pas le... Est-ce que je devrais revenir sur mes pas et empêcher ça? Bon alors, on y va les amis. Alors, prochaine étape. Regardons. Ceci, voilà, les Crisbard. Donc, on y va. Pardon. Ce que je vous propose, c'est aller au Forivar. Tout de suite. Allez, hop, on y va les amis. Oui, allez. On va direct dans une auberge. Ou quelque chose comme ça, à marcher. On rentre. On essaye de vendre le plus possible aussi. Ou sinon, je donne à Lydia, c'est la même chose. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on trace tout de suite vers les Grisbard. Barbe ou barde. Enfin, vous m'avez compris, hein. Pensez à surveiller le ciel. T'inquiète pas, je vais surveiller. Je surveille tellement que... Voilà, du bon poisson. Allez, on y va, les amis. On y va. On va essayer de découvrir un petit peu, on va essayer d'aller dans ce petit village sympathique, hein. Alors ici, c'est quoi? Apparemment, c'est une auberge. Ouais, auberge, parfait. On attend de la petite musique, hein, qui est sympa, le mode que j'ai mis, hein, bien sûr. S'il n'y a pas un qui fait du luth, là, ou je sais pas quoi. Vous voulez du travail? Prenez une hache et ramenez-moi tout le bois que vous pourrez. Je pense que vous devriez continuer. À quoi bon? J'ai des chiens, on connaît. Je trouve que vous jouez merveilleusement. Ce serait bien dommage de vous arrêter. D'accord, Wilhelm. Nous ne voyons pas beaucoup de visiteurs par ici, sauf ceux qui se rendent au hangar. Les Grisbard sont des solitaires. Je doute fort qu'ils se soient déjà. Nous voyons parfois passer l'un ou l'autre. Oui, je sais. Pour le sommet. Et ils reviennent presque toujours déçus. Il y a un an ou deux, un type appelé Vindelius est passé. Il s'est présenté comme une espèce de chasseur de trésors. Mm-hmm. Ouais. Il lui a dit de ne pas y aller, comme pour vous. Quelque temps plus tard, nous avons entendu des cris venant du tertre. Et puis plus rien. On ne l'a plus jamais revu. On a été ensemble, les amis, hein. Les adorateurs de la magie ne m'intéressent pas. Pas du tout, même. Ils sont tout au nord de Fort Divers et qu'ils y restent. Je supporte déjà mal l'idée que notre Jarl ait un sorcier à sa cour. Tout à vraiment... Enfin, rien. Je vais pas te taper. À boire pour les assoiffés, à manger pour les affamés. Seulement que ça, tu prends pas d'eau, toi, c'est logique, hein. C'est dommage, hein. Bon, mais... tant pis, hein. De toute façon, t'as plus rien sur toi, au fait, hein. Une chance, j'ai déjà pris une. Je pense pas que j'ai pris la journée complète de la chance, je m'en souviens pas du tout. Tant pis, hop, à quelqu'un, donc là-bas, apparemment, c'est ta personne. Excusez-moi, monsieur, voudriez-vous m'écouter jouer du luth? Ouais, je suis obligé de louer là. Ouais, c'est pas 10 pièces d'or. Ben non, voilà. Hop. Alors, on va se faire 12 heures, ce qui nous amènera. Non, allez, 10 heures. Hop. Ça va être parfait. Ce qui nous aura presque 6 heures matin, hein. Ça va être parfait. Voilà. En pleine forme, je m'en doute. Allez. Lydia. Lydia. À quoi bon? J'ai peu de talent. Et il s'adresse chaque soir au même clampin. Mais après, je vais continuer qu'à aller. Hein. Alors, on y va. Y'a rien d'autre. Y'a